Eric, bonjour. Ce matin, nous avons la chance d'être reçus par Eric Goudard, agent d'assurance Allianz sur Marly. Eric est un mécène depuis pour 2024 de notre opération Une rose, un espoir, et il a souhaité soutenir notre association. D'abord, Eric, un grand merci pour cet élan de générosité. Et puis, si vous voulez nous dire un petit peu plus de votre entreprise, ce serait peut-être intéressant. Oui, bonjour. C'est en tout cas un plaisir de vous recevoir et puis de pouvoir participer, d'être mécène sur ce genre d'opération. En tant qu'agent général Allianz, on est très sensible à ce genre d'opération puisqu'on est déjà de part une compagnie qui est déjà très engagée auprès des associations et notamment sur la lutte contre le cancer. Ça me paraissait normal de pouvoir soutenir aussi à mon niveau, au niveau local, une association telle qu'Une rose, un espoir. Notre agence Allianz donc, se situe donc à Marly. Nous avons aujourd'hui 1500 clients. Nous nous adressons à tout type de clients particuliers, professionnels. Nous assurons les autos, les habitations, vos maisons, vos entreprises, vos motos, bien sûr, parce que c'est important. Et Ah oui. puis, voilà, nous avons aussi toute une activité sur le patrimoine, l'assurance vie. Voilà, tout type d'assurance. En tout cas, nous sommes là à votre écoute pour répondre à tous vos besoins. On peut passer directement par le site alliance.fr. Vous tapez votre ville, Marly, et vous retrouverez notre agence, l'agence Eric Goudard à Marly. Nous avons une page Facebook, une page LinkedIn. Vous tapez voilà, Alliance Marly sur Facebook, vous nous trouverez tout de suite. Je crois également que, en dehors de la participation que vous avez décidé de mettre en place pour l'apparition sur le petit support, vous avez décidé également de mettre en place un partenariat particulier sur vos activités. Oui, tout à fait. Le but, c'était d'aller un petit peu plus loin du simple mécénat, de verser une somme d'argent pour avoir de la visibilité. C'était d'avoir un véritable partenariat donc j'ai décidé de mettre en place une action où 5 euros seront reversés pour l'association Une rose, un espoir pour chaque contrat souscrit en agence jusqu'à la fin avril. C'est vraiment très important de se sentir soutenu. Vous savez, soutenu, pardon. Vous savez que notre cause dans le milieu associatif a des messages quelquefois compliqués à faire entendre auprès des mécènes. Mais je voulais ici saluer et souligner le fait que lorsque l'on s'est rencontrés, vous avez tout de suite adhéré d'abord à l'association que j'étais en train de vous présenter, à la cause que nous entendons défendre. On sait tous ici, parce qu'on est concerné soit personnellement, soit dans notre entourage. On sait tous ici que lorsque le cancer tape à la porte, eh bien, c'est tout de suite une vie qui s'effondre, des repères que l'on perd, parce qu'on va entrer dans un scénario de traitement qui vous écarte de la vie, je dirais, entre guillemets, normale. Et le fait qu'une association aidée par des motards au grand cœur, des motards de la solidarité, de la générosité, le fait qu'une association comme Une rose, un espoir s'engage auprès de la Ligue contre le cancer, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'aider directement les personnes en difficulté suite à la maladie, de soutenir les familles des personnes en difficulté, et surtout le petit clin d'œil positif à tout ça, parce qu'aujourd'hui le cancer, c'est une maladie qui est bien sûr difficile à appréhender et à traiter, mais aujourd'hui le cancer, on en guérit de plus en plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par le biais de l'association Une rose, un espoir, nous avons ici sur Marly, avec la Ligue contre le cancer, une maison qui permet de recevoir les malades et on les aide en définitive à leur reconstruction. Leur reconstruction, elle peut être physique, elle peut être au niveau du psychique également. Donc la Ligue contre le cancer a mis en place sur la ville de Marly cette maison qui est vraiment à la disposition des personnes qui en ont besoin. Eric, je vais vous redonner la parole pour la conclusion, mais moi, en tout cas, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on est vraiment heureux. On est venu chez vous avec une bande de motards très sympathiques qui ont choisi de donner un petit peu de leur temps pour saluer votre partenariat et votre engagement à nos côtés. Et vraiment, du fond du cœur, merci beaucoup, Eric, pour votre soutien.
Bah encore merci pour cette mise en lumière de ce mécénat. Pour conclure, je dirais, venez nombreux souscrire vos contrats chez Alliance, bénéficiez donc justement de ce soutien à l'association. Pensez à acheter des roses quand les motards viendront vous voir, feront du porte-à-porte, et vous êtes les bienvenus ici. Mes équipes sont là pour vous recevoir, vous offrir le café, toujours avec le sourire. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bravo.